Grasse, dans la région du lac de Saint-Denis, nous avons analysé ces informations. Il y a des points forts et il y a des points faibles aussi. Donc pour les points forts, il n'y a pas de souci. Pour les points faibles, nous essayons de les renforcer pour un certain nombre d'améliorations. Nous avons des communautés qui ont tendance à écouler le choc opérationnel pour les autres. Il y a d'autres qui ont tendance à écouler le choc opérationnel. Il y en a qui ont même tendance à écouler la quelqu'un de crédit. Je pense que ça existe dans certaines réactions. Donc nous avons analysé tous ces mécanismes. Et pour ne pas faire, nous avons renforcé les points faibles en les améliorant. Maintenant, pour les critères, il y a géographique, c'est-à-dire les communautés, à la commune, on essaie de les inclure, les quatre points cardinaux de la commune, il y a une certaine agriculture, il y a des critères aussi sociaux, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les gestionnaires de marché, les bouchers, tous les agents économiques qui sont à la commune. Ensuite, il y a aussi les critères sociaux-linguistiques et culturels, comme je l'ai dit, là c'est les communautés de part de la commune. Sont aussi. Et enfin, il y a les gens. Nous avons inclus les femmes et les jeunes aussi. Il y a une certaine possibilité. Ça, ce sont les critères de choix. Maintenant, nous, on essaie de rapprocher les positions et de trouver des solutions mutuellement acceptables. Et quand le conflit arrive à un certain niveau pénal, on ne peut plus éviter de disparaître. On se limite vraiment à trouver des solutions à la manière de rapprocher les positions. Des solutions mutuellement acceptables entre les communautés. Dès que ça arrive, on a des problèmes. 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 On a des problèmes.